Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'augmenter le niveau de vos armes au niveau maximum sans même jouer avec. Donc pour réaliser cette astuce, il faudra aller dans le mode multijoueur guerre terrestre. Donc voilà, vous sélectionnez le mode de jeu. Ensuite, vous pouvez utiliser un jeton double XP d'armes pour aller encore plus vite, donc genre de 30 minutes comme je vais faire, bam. Et vous allez voir que votre niveau d'arme va augmenter super facilement sans que vous jouez avec. Donc c'est ça le truc qui est ouf. Donc je vous conseille bien sûr de créer une classe avec les armes que vous voulez. Par exemple, level up. Moi, je vais faire ça avec le Pila, donc le bazooka. Et vous allez voir que là, ben, je suis niveau 1 avec le bazooka Pila. Et vous allez voir que quand j'aurai fini ma game, ben, je serai niveau je ne sais pas combien. On va voir ça de toute façon. Donc c'est parti, let's go. Ok, donc c'est parti. Là, ce que vous allez faire quand la partie commence, c'est d'essayer de choper un char le plus vite possible. Donc hop, là, vous prenez le char, mais vous vous équipez de l'arme que vous voulez améliorer. Level up, donc niveau, monter niveau max. Donc là, moi, j'ai bien sûr interverti avec mon bazooka. Et là, je prends le contrôle du char directement. Après, ça fonctionne avec n'importe quel véhicule, hein. Mais bon, je vous conseille le char parce que tout simplement, le char a beaucoup de points de vie. Et vous pouvez tirer des obus en même temps. Donc vous allez pouvoir tuer des adversaires pour gagner encore plus de points. Mais là, l'objectif vraiment de l'astuce, c'est de capturer les points de capture parce que ça va vous donner des points. Et directement, ça va vous donner des points pour... Est-ce que les trucs sont destructibles? Non. Ça va vous donner des points directement pour votre arme en fait. Donc c'est la meilleure chose à faire. Donc là, je vois que je peux pas prendre. Ah, si, peut-être par là. Non, je peux pas prendre. Ah, si, là, je sécurise. Ok, donc je reste là, je sécurise. Je vais tirer sur les adversaires si j'en vois. Et quand j'aurai sécurisé C, ben je gagnerai. Je crois que c'est 500 points, je crois. Donc je gagnerai directement 500 points pour. Merde. Pour mon fusil. Mon bazooka. Donc là, regardez, j'ai pris 25 XP. Ben c'est pour mon. Tout ce que je vais prendre comme XP. Voilà, là j'ai pris 375 points. Eh ben ça c'est pour mon bazooka. Donc ça c'est trop stylé. Et ça fonctionne avec n'importe quelle arme, hein. Donc c'est assez stylé. Hop. Par contre là. Ouais. C'est pas grave. Donc là j'ai réapparaît. Je peux réapparaître sur un char. Là justement il y a un char qui n'est pas utilisé. Ah si, il est utilisé. Donc je vous rappelle, la technique c'est d'utiliser l'arme en question. Donc avant de rentrer dans le char, vous vous équipez de l'arme que vous voulez level up. Donc je vais chercher un nouveau char parce que là il n'y en a plus. Ok, donc il n'y a pas de char, donc je vais prendre un véhicule. Hop, je change d'arme, je prends mon bazooka, je prends le véhicule. Et là je vais capturer les points avec mon véhicule, tout simplement. Ok, donc là j'ai sécurisé A, boum, 300 points encore en plus pour le niveau de mon arme que je me suis équipé. Donc là, il y a quelqu'un, il vient de réapparaître sur moi et j'ai gagné encore 25 XP. Donc à chaque fois que quelqu'un réapparaît sur moi, je gagne des XP. Chaque fois que je prends un point de capture, je gagne des XP. Quand je fais des assistances ou quand je fais des éliminations, je gagne des XP. Après, vous pouvez aussi monter dans le véhicule d'un allié, hein, tout simplement, et vous équiper de l'arme que vous voulez et vous attendez que l'allié fasse le taf, quoi. Donc là, je peux pas tirer, donc ça c'est dommage. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, comme je viens de le faire, c'est de prendre un quad et d'écraser les joueurs adverses. Ça fonctionnera aussi pour votre niveau d'arme. En fait, tout ce que vous allez faire avec votre véhicule, tous les points que vous allez gagner les points pour vos armes. Donc, franchement, la technique c'est de lancer des parties comme ça. Et de faire un maximum de points en étant sur un véhicule, en ayant votre arme que vous voulez améliorer, équipée. Regardez-moi ça, je tue blindé d'ennemis. Voilà, je me fais des XP super facilement. En vrai, si j'aurais voulu améliorer mon bazooka, bah, j'aurais galéré, mais avec cette technique. Ah, franchement, je suis refait. Hein. Oh là là là. Regardez-moi ça, c'est trop stylé.
Avec la mitrailleuse, franchement, ça donne aussi. Hein. Oh là là. 200 XP. Trop easy. Regardez, vous attendez que quelqu'un lance un char. Enfin, que le char soit disponible. Donc, vous attendez au spawn. Et dès qu'il y a un char de disponible, hop, vous le chopez. Vous changez d'arme. Vous prenez l'arme que vous voulez améliorer. Et boum, vous rentrez dans le char. Et là, vous allez capturer et faire 10 kills. Et c'est trop stylé. Ok, donc là, j'ai terminé la partie. J'ai fait 23 éliminations, 7 captures. Donc voilà, une partie assez moyenne. Hein. C'était la première fois que je joue à ce mode de jeu. Franchement, c'est très jouissif de jouer à ce mode de jeu. Donc on va voir dans les attirails. Donc là, je peux pas encore voir. Mais franchement, je pense que j'ai pris facile 4 niveaux, voire 5 niveaux en une seule partie. Avec le bazooka. Donc franchement, hop, je peux pas encore voir. Donc on va attendre. Mais franchement, c'est très efficace. Hein. J'ai l'impression que c'est la meilleure astuce actuelle pour augmenter vos niveaux. Donc là, hop, ça c'est l'arme principale. Et l'arme secondaire, donc j'étais niveau 1. Boum, je passe niveau 4, 5, 5, 5 ennemis. Donc j'ai pris 5 niveaux directement. En une seule partie, avec une arme que, franchement, ça, j'aurais mis du temps à évoluer. Donc voilà, c'est la meilleure astuce, le meilleur glitch actuel pour augmenter vos niveaux d'armes super facilement et super rapidement. Vous pouvez monter n'importe quelle arme niveau max juste en utilisant les véhicules dans Guerre Terrestre. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace!